Merci Seigneur. Aurélie, tu voulais nous dire quoi? Alors, le pain quotidien organise un grand goûter pour nos enfants. Qu'est-ce que le pain quotidien? Le pain quotidien est une association caritative chrétienne qui existe depuis 2002 et qui œuvre donc en France et dans le monde, en particulier pour soutenir des enfants qui sont soit orphelins, soit abandonnés parfois aussi, et soit dans des besoins en fait, dont les familles ont du mal à pouvoir s'occuper d'eux. Et on a l'habitude de travailler beaucoup à l'international, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Ghana, en Haïti, j'en oublie, au Congo, en Tunisie aussi. On a des jeunes qui étaient au Congo et qui ont pu continuer leurs études supérieures en Tunisie. Donc voilà, mais cette année... En Côte d'Ivoire aussi? Oui, en Côte d'Ivoire. J'ai commencé par là. Okay. Parce que c'est ton pays d'origine aussi, franco-ivoirienne. Tout à fait. On comprend, t'es pas quand même pro... Pro quoi? Pro céleste, hein? Amen. Comme papa est ivoirien, commence par la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens ici? On dit quoi? Alléluia! Soyez bénis. Donc voilà. Et cette année, en fait, c'est la première fois que l'on organise un grand goûter parce qu'on a voulu aussi penser à nos enfants qui sont en France, et donc à nos enfants et aux enfants des frères et sœurs. Et donc, c'est ouvert pour les enfants de 5 à 12 ans. L'âge, en fait, correspond aux activités aussi qu'on va faire avec eux ce jour-là. C'est quand ça. Ce sera donc samedi 9, à partir de 14h, de 14h à 18h. Ce sera ici. Et, 9 septembre. Le 9 septembre, tout à fait. Et donc, par rapport à cette journée, les personnes qui sont intéressées pour travailler avec nous, pour organiser les choses, pour encadrer aussi un peu les enfants, on aura rendez-vous demain à Courcouronne à 14h au 5 avenue de l'Orme à Martin. C'est là-bas qu'est le siège du pain quotidien, que sont nos locaux. Donc pour ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Et j'ai une autre annonce concernant le moment en fait qu'on aura. On aura un moment de louange et on aimerait faire participer nos enfants qui aiment chanter, qui aiment adorer Dieu. Je sais qu'il y en a beaucoup dans les familles qui parfois ne se font pas beaucoup voir quand ils sont en public, mais chez eux, chantent à tue-tête et connaissent toutes les chansons même mieux que nous. Donc à ces enfants-là, bien, est ouvert une chorale qu'on va mettre en place pour l'occasion. Et pour ça, samedi prochain, donc samedi 2, on va mettre en place une répétition. On va prendre une salle à part pour nous uniquement. Et de 9h à midi, on va pouvoir échanger avec eux sur les chants qu'on pourra chanter ensemble. Donc pour les parents qui sont là et qui ont des enfants de 5 à 12 ans, vous savez qu'ils aiment chanter, qu'ils aiment louer le Seigneur, bien n'hésitez pas à les amener. Donc à 9h samedi prochain, dans les locaux du 24, on s'occupera d'eux, ils seront accueillis. Petite précision, pour que vous arriviez, on aimerait deux choses. Premièrement, que ces enfants écrivent, que vous écriviez pour eux s'ils ne savent pas encore écrire, sur une feuille, les chants qu'ils connaissent, pour nous aider en fait à pouvoir organiser les choses avec eux rapidement quand ils arriveront. Et deuxièmement, donc ils peuvent écrire tous les chants qu'ils veulent, il n'y a pas de souci, on fera le tri ensuite. Et deuxièmement, il faut qu'ils écrivent une phrase qu'ils aimeraient dire à Jésus ce jour-là. Voilà. Donc à la fin, pour plus d'informations, ils peuvent venir te voir. Aussi. Ok, c'est bon? Oui, c'est bon. Comme ça, tu restes là, ils vont tous venir vers toi, moi je vais être tranquille. C'est bon, gloire à Dieu. C'est pas parce qu'on ne vous aime pas, au contraire, parce qu'on veut... vous épargner. Que le Seigneur soit béni, en tout cas, c'était un plaisir. Vous voulez que samedi prochain, il y ait encore un programme ou pas? Oui. À quelle heure? 14h? Les Belges, vous êtes invités, hein? C'est gratuit. Je pense que si Dieu permet, là, dimanche après, je serai en Belgique, si Dieu permet. Hein? Si les Belges le veulent bien, hein? Voilà. Il y a un mariage aujourd'hui, non? Non? Vous n'êtes pas venu pour un mariage? Non. Il y a Anthony qui s'est marié aujourd'hui. Anthony, à Abidjan, avec une sœur de la Côte d'Ivoire. Anthony, reviens, je t'aime encore, oh tu as du prix à mes yeux. C'est ça, non? Voilà, il s'est marié. Ça va très vite, hein, quand tu chantes en Christ, en tout cas, ça va vite. Que Dieu vous garde, on vous aime en Christ. On a fini, même si on ne vous a pas touché, Dieu vous a touché. Amen. Voilà, donc, pour ceux qui le peuvent, on fait les offrandes. Le 7 septembre, nous partons... aux Antilles. Du 7 au 13, nous serons en Guadeloupe. Et du 13 au 17, nous serons en Martinique. Voilà, que Dieu bénisse ma maman Marthe, ainsi que les frères et sœurs de la Guadeloupe.